Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de survivre au cercle de tempête en portant une arme des détours. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans un détour Fortnite. Donc les détours, c'est soit les petites failles représentées juste ici. Donc il y en a toujours 3 par partie qui apparaissent. Donc une, deux et la troisième qui est là. Quand il y en a une qui disparaît, il y en a une autre qui réapparaît. Il y a toujours 3 détours, 3 petites failles de détours qui sont disponibles. Ou alors vous allez dans le gros détour qui apparaît aléatoirement dans des villes différentes qui est représenté par un gros rond comme vous le voyez ici. Donc là par exemple, là je vais me rendre dans ce détour là et vous allez voir ce que je vais devoir faire. C'est tout simple, il va falloir que je récupère juste une arme des détours. Alors les armes des détours, c'est pas parce que vous ramassez un pistolet mitrailleur dans le détour que c'est une arme des détours. Il faut vraiment que ce soit un fusil de détour, un minigun de détour ou des choses comme ça. Donc là regardez, je vais près du cube ici, enfin le centre du détour, il y a toujours des coffres. Il y en a 3 ou 4, je crois qu'il y en a 3 exactement. Je pense que c'est possible qu'on en trouve 4 aussi. Donc là, regardez, j'ai récupéré 2 faux. Les faux, c'est des armes des détours aussi. Hein. Donc vous pouvez les prendre. Il y a le bazooka. Le bazooka, par contre, le lance-citrouille, ce n'est pas une arme des détours. Hein. Donc faites attention à ça. Hop, je vais essayer de tuer les zombies. Voilà, parfait. Attention, parce que c'est quand même assez chaud, ça. Avec le poison, hop. Je vais essayer de trouver une autre arme des détours. Là, regardez. Il y a un minigun, ça c'est un minigun des détours. Qu'est-ce qu'il y avait une autre arme? Il y a le fusil des détours aussi, mais apparemment j'en ai pas trouvé cette fois-ci. C'est tout simplement un fusil, genre une AR comme ça, mais des détours. De toute façon, regardez, quand vous allez dans votre inventaire des armes, ici vous pouvez voir faux des détours. Donc ça veut dire que c'est une arme de détour. Là il est marqué minigun des détours, donc c'est une arme aussi de détour. Et il y a aussi le fusil de détour, mais que là je n'ai pas trouvé. Alors ce que vous allez devoir faire maintenant, à partir de maintenant, quand vous avez votre arme de détour, c'est très important de la garder dans votre inventaire, ne jamais la jeter par terre, sinon bah, ça risque d'annuler le défi. Et maintenant que vous avez votre arme de détour, vous allez devoir survivre au cercle de la tempête. Alors les cercles de la tempête, vous pouvez les voir ici à gauche, là je suis à une tempête sur 9. Ok c'est bon, je suis à une tempête sur 9, donc il va falloir que je survive à 5 tempêtes pour terminer le défi. Alors regardez, la tempête, ben c'est le gros cercle violet autour de la map. Quand ce cercle va se rétrécir et va arriver à atteindre cette ligne blanche, ce petit rond que vous voyez juste ici, ça veut dire que j'aurai survécu à une tempête. Ensuite, ce petit rond blanc va rétrécir et la tempête va encore rétrécir. Ensuite, quand la tempête touchera le deuxième cercle blanc, ça veut dire que j'aurai survécu à 2 tempêtes. Et vous allez devoir faire ça sur 5 tempêtes différentes pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.